Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel étoilé, des conditions météo parfaites pour vivre cette rencontre. La tension en revanche est clairement montée d'un cran tout à l'heure à l'annonce des compositions d'équipe. Le speaker a beaucoup de talent pour ça et on va d'ailleurs vous communiquer dans un tout petit instant la liste des joueurs qui vont débuter cette rencontre. Les tribunes se parent du bleu céleste de la Lazio. Inutile de dire que c'est très différent lorsque c'est l'autre équipe romaine qui reçoit. On devrait donc avoir deux lignes de 4 et deux attaquants. Alors oui, il y en a qui vont dire que c'est old school, mais moi j'aime ça. Bon, il faut reconnaître que c'est plutôt rare d'aligner seulement deux attaquants. Ça nécessite qu'ils s'entendent parfaitement pour pouvoir combiner et adapter leur déplacement. Mais l'avantage, c'est que vous avez facilement plus de monde dans la surface. Et c'est parti! C'est la dernière rencontre de la phase aller de ce championnat. Juste après, on pourra faire un premier bilan. Ce sera le premier corner du match. Le bon dégagement. Et non, ce sera un 6 mètres. Bonaventura, Musacchio, Bonaventura, le Milan AC qui a réussi jusqu'à présent l'exploit vraiment de ramener au moins un point de chacun de ses déplacements cette saison, c'est fort. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Correa, ça joue à gauche. Avec Correa. Long ballon dans le sens du jeu. Il y a peut-être un coup à jouer. Il cherche la profondeur. Et le danger est écarté. Et le ballon est sorti. Touche. Ça passera sur le côté. Correa qui est bien placé dans la La frappe. Et but pour la Lazio. Et premier but pour la Lazio. Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. Il était au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il a reçu cette passe, on savait comment ça allait se terminer. Au fond des filets. Aucun round d'observation, c'est le choc attendu. La Lazio qui est en confiance après sa dernière victoire. Un long ballon vers l'avant. Bilia ! C'est récupéré facilement. La Lazio qui réalise un très bon début de match. C'est quand même un début de match de rêve. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Bonaventura qui avait marqué ce but mémorable en première période au dernier match. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. Il glisse le ballon en profondeur. Immobilier.
sur le poteau. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Il continue de progresser. Lucas se projette vers l'avant. Zuzo. Récupération sans se livrer, c'est bien joué. Bonaventura qui choisit le côté gauche. Il est passé. Oh, quel caviar! Faut tirer là! C'est repoussé! Oh, quel bel arrêt! Oui, il était bien concentré, bravo! Le ballon a franchi la ligne. Ça joue long vers l'avant. Le bon dribble. Il fait du bien ce tacle. C'est joué long, c'est dangereux. C'était une bonne intervention. Arnold. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Oh, la maîtrise! Quel bonheur pour les yeux! Pour trouver la faille dans la défense! Le ballon dans la surface. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Il y aura donc touche. Attention, on sent quelle détente! Oh, quel coup de tête, mais ce n'est pas cadré! Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Benteke. C'est joué long pour filer droit au but. Beaucoup de tension dans cette zone. Oh, voici Benteke. Voilà Ventura. Il allonge vers l'avant. Et ça sort en touche. Correa, qui a donc offert un but à son coéquipier. La passe dans la profondeur. L'interception, bien joué. Il voit sa passe interceptée. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Benteke! La passe est précise, il choisit de centrer. C'est dégagé, loin devant. La Lazio qui cherche l'ouverture. Dégagement le plus loin possible. C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent un avantage. La Lazio qui mène donc 1-0. Mais attention, tout est encore possible en seconde période.
c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Et voilà une avance qu'il va falloir défendre maintenant. Pourquoi pas tenter de faire le break rapidement? Ce contre peut très bien aller au bout. Dans la profondeur. Un peu d'oxygène pour sa défense. Et ils vont effectuer cette touche. Le Milan AC qui doit sans doute sa dernière victoire au coaching de son entraîneur. Vous savez, un match tient parfois à rien. Il suffit de faire le bon changement au bon moment pour forcer la décision. Mais il ne faut pas se tromper, hein. Bilia. Et un contact qui n'était pas régulier. Couffron. L'arbitre est clair. Il lui dit de vite se calmer. Quelle parade exceptionnelle! C'était pourtant bien tenté, mais le gardien fait un très bel arrêt. Et ce ballon en retrait vers le gardien. Le long dégagement du gardien. Et c'était bien parti, mais c'est pas allé au bout. Ouverture lumineuse. Voilà Ventura. Il tente de la jouer dans l'espace. Il va frapper. Oh, la grosse... Attention, la frappe! Une très longue passe. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. La belle interception. Attention, occasion! Lucas. Il joue dans l'espace. Il y a peut-être un coup à jouer. Immobilier. Bien repoussé par le gardien. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. J'ai repoussé pour le moment. L'arbitre a sifflé. Faute. C'est bien fait, ça. C'est joué long. Attention, il est passé. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on! Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? Exact. Il tente de la jouer dans l'espace. On joue sur l'aile, il est servi. Il y a peut-être un coup à jouer. Et le centre. Oh, la tête! C'est dégagé. Parolo qui récupère ce ballon. Cette défense me fait un peu penser à la fameuse tortue des légions romaines. Très lente, vous voulez dire? Ah, Rennes, il faut réviser vos classiques, non? Je voulais dire regrouper dans l'axe sans rien qui dépasse. Ah, d'accord. Mais pourquoi il appelle tortue? Je vous expliquerai ça en antenne. Allez, jusqu'au bout! Et l'arrêt, magnifique! C'est un super arrêt, fine save! Voyons ce que va donner ce corner. Le bon dégagement. La bonne passe. Parolo. Allez, il faut mettre le pied sur le ballon. Oh, il fallait l'oser ce tacle. Tacle parfait, l'arbitre laisse jouer. Oh, voici Benteke. Le gardien loin devant. Non, ça ne passe pas aujourd'hui. Ça joue à gauche. Ça peut être extrêmement dangereux. Il percute côté gauche. Ce ballon bien dosé. Çalhanoğlu.
On attendait un arrêt de jeu, le changement va pouvoir avoir lieu. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Bonaventura, il a de l'espace. Allez, c'est dangereux! Repoussé par le poteau. Ils étaient tout près de revenir au score. Il avait tellement envie de marquer qu'il a peut-être un peu forcé son geste. Badelge. Parolo. Oh, voici Immobile. Bonne interception, il y avait danger. Bonaventura. Pour trouver la faille dans la défense. Oh, il l'a récupéré. Bien joué, ces passes en profondeur sont toujours dangereuses. Bonaventura! Belle passe lobée. Il décide d'allonger le jeu. Oh, voici Benteke. C'est reparti, ils peuvent contrer. L'arbitre signale une faute. Les gestes mal maîtrisés, logique cette sanction, carton jaune. Oxygène pour sa défense. Le bon dribble. Ce ballon devant le but. Danger repoussé pour le moment. Il va falloir qu'il se réveille. Ils n'ont qu'un petit but d'avance quand même. Quelle frappe! Oh, c'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile. Pris au piège du hors-jeu. Voici Benteke. Oh, voici Immobile. Immobile qui choisit le côté gauche. La passe dans la profondeur. Il tire. Et c'est un but. Le break est fait. Deux buts d'écart désormais. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Deux buts déjà dans ce match. Ils ont certainement assuré la victoire avec ce but. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Victoire, c'est donc la victoire finale pour cette équipe et franchement, elle est méritée parce que techniquement, physiquement, mentalement, ils étaient vraiment au-dessus des autres. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? C'est sûr qu'en marquant si tôt dans le match, ils ont fait le plein de confiance. Clairement, la victoire ne pouvait pas leur échapper aujourd'hui. C'était vraiment une belle soirée d'arène, un beau match, on s'est régalé, on se retrouve très vite. À bientôt. C'est toujours un bonheur. In the back street bottles and the neon lights.
Follow me into the jungle.